Bonjour, bonjour tout mes lovies. Comment nous y est aujourd'hui? Moi souhaite que nous en super forme. Moi souhaite nous toujours continuer à prendre mesures de précaution yo, parce que maladie a toujours existé. Aujourd'hui, moi porter pour nous un baked cauliflower. Ça veut dire son chou-fleur que nettoyer et puis me faire un vinaigrette pour mettre sous chou-fleur là, après ça pour mettre pour le bake, pour mettre l'info. So là, au capable, moi, j'ai t'en fin nettoyer moitié dans tête chou-fleur, hein, m'rache yo. Et puis, si vous pas connaît comment li semble comme ça. Sous que n'est brocoli, li presque semble même j'en avec brocoli, mais li seulement blanc. C'est comme ça, le semble. So, m'fin rache tout ça, ou là, déjà, et puis m'bral continue rache le sang. Mettez la dan après ça pour montrer nous comment me faire vinaigrette là pour mettre sous lit et puis m'a préparé pain moins à 420 degrés pour mettre l'enfourner pour 20 minutes pour capable crispy ça ou capable manger tant qu'ou snack on petit bagarre ou manger légèrement mais c'est plus pour mon sou pas vle manger en pile et puis ou gérer poids c'est petit bagarre comme ça pour manger ça. So. Et puis m'a dit bienvenue avec tout nouveaux subscribers. Merci parce que nous choisi pour nous faire route là avec et tout ancien subscribers qui était là déjà m'a dit nous merci parce que nous toujours continuer supporter. OK, so qu'on a m'a continuer mettre cauliflower dans pena, on va montrer nous comment pour nous faire vinaigrette là tout à l'heure. Puis faut pas oublier dit nous tout l'o fin laver cauliflower ou rachel yo kembe de l'eau pour capable retirer un peu dans de l'eau qui là dedans ou ouvrir yo sou yon serviette de cuisine pour retirer tout de l'eau faire sûr que tout de l'eau qui était là dedans sorti avant commencer mettre vinaigrette là dedans connait pour commencer avec vinaigrette là. Ma mette yon équivalent de yon ti cuillère poivre. Ma bien trop piqué. Yon mwen met un pile l'ail, so ma mette yon bon coup. Presque yon gros cuillère l'ail. Ou capable wè, yon gros cuillère l'ail. Après ça, ma ajoute yon ti prise turmeric. Ça nous est le safran. M'a pas ajouté petit cam. Après ça, m'a ajouté et puis ça qui sont seasoning, m'a metté petit cam. Pas tellement parce que ça a un piment pour pas trop piquer. Ça c'est une sorte de magi pour pas tellement manger magi non but. M'a juste mettre un petit cal là-dedans parce que cauliflower pas gain goût. Sou pas habitué avec bon baga wap manger parce qu'il pas gain goût même. C'est ça que m'a mettre petit cal magi là-dedans. Après ça, m'a pas tellement pratiquer manger magi. Et puis m'a mettre moutarde là-dedans. This is so hard to open. Okay. Un peu de moutarde. Après ça, on va l'ajouter une petite cuillère. Une grande cuillère d'huile d'olive. Après l'huile d'olive là, l'huile d'olive. Une grande cuillère de l'huile d'olive. Souvent mes piments on va ajouter un pile piment. M'a pas ajouté un petit cuillère jus citron parce que me veut le petit acide d'elfin crispy et puis un petit cuillère de sel. Un tout grand bon petit pincé. Là. On va ajouter ça. Et puis, on va continuer à brasser. Comme ça.
fouan deja prè deja. On va l'ajouter un petit paprika pour cabalon. Un bel petit coulet. Ça c'est piment paprika, on va l'ajouter. Un bon petit coup. Comme ça on va faire tellement fort non mais. Béton si bon. Et puis continue boire. À cause de tout le riz qu'on mettait là-dedans avec paprika, ça va aller une belle petite couleur. Dans la fin faire mixture là, m'a pas ajouté chou-fleur là-dedans. Et puis brasser. Quand j'ai fini de brasser, bien brasser, je fais sûr que toute vinaigrette là rentre dans le chou-fleur. Comme ça, tout, si vous ne voulez pas baker, vous êtes capable de manger comme ça. Parce qu'il est déjà prêt, il est mangeable. Je goûte là, c'est parti. Quand j'ai mis le lampenne pour m'enfourner, je vais enfourner parce que je veux le crispy. C'est ça que fait ma panfourne. Après ça, je vais manger juste comme ça, assemblé. Et là, je fais moins qu'il prêt, que je déjà mis un aluminium foil là-dedans. Et puis, je vais vider tout le cauliflower dans la panne. Et puis, je vais ouvrir comme ça. Oh, li belle. Li belle. Li goût. Fais sûr que yo chita pour tout petit poisson ka joine côté pour yo cuite. OK. This is so pretty. Et puis, quand il y a un four qui a chauffé à 420 degrés, je vais le mettre dans le four pour 20 minutes seulement. Après ça, je vais retirer pour montrer le résultat final. Now, regardez le chou-fleur. Il est prêt pour manger. Si vous faites une fête, vous êtes capable de servir ça comme appetizer. Pour inviter, vous êtes capable de manger toujours. Ou bien sous game main course, ça a servi comme un side dish. Yon petit plat sous côté pour moun yo capable enjoy. Oh, so good. Et voilà mes amours, c'est comme ça ou fayon un grill cauliflower. Comme ça ou enfourné yon un fleur chou pour capable faire yon entrée salade ou bien side dish pour servir invité ou dans yon fête ou bien capable manger comme lunch. Salade, dinner, comprenez? Just like that. Et puis après, ou gen moscado qui déjà là. Mange salade ou boire moscado et puis ou al dormi. So, merci à tout le monde qui te prend temps de regarder vidéo. Hein? Pour une autre vidéo comme ça encore, c'est va l'autre semaine prochaine. Moi, dis nous un grand merci. Continue à regarder, partager, likes and subscribe. Pas oublier de subscribe. Si vous regardez la vidéo, ça vous montre comment vous faire chou-fleur. Tout apprendre et puis pas oublier de subscribe. Ok? Merci. Bye bye.